Grand Canyon, ce lieu incroyable connu dans le monde entier et qui attire chaque année plusieurs millions de visiteurs. Je m'y suis arrêté lors de mon dernier road trip et j'ai tenu à vous faire cet épisode hors série d'American Trip. Même si les images ne transmettent pas la grandeur et la sensation que procure ce lieu, vous risquez d'être ébahi par ce que vous verrez. Ce parc national est l'un des plus anciens des USA, créé en 1908. Mais il aura fallu plus d'un milliard d'années au fleuve Colorado qui le traverse pour creuser et façonner la roche et aboutir à des paysages vertigineux. En rentrant dans le parc, vous devrez vous acquitter d'un pass d'une trentaine de dollars, valide 7 jours. Mais c'est vraiment lorsqu'on s'approche des falaises que ce spectacle géologique nous saute aux yeux et révèle l'immensité des lieux. C'est gigantesque. Ça déchire. La profondeur atteint par endroits 1,6 km et le canyon est long de presque 450 km. Il est même composé de plusieurs climats et écosystèmes. C'est au lever et au coucher du soleil que l'on apprécie le plus ses couleurs, mais malheureusement, je n'en ai pas profité car j'y suis passé dans l'après-midi. Mais bon, ça fait un prétexte pour y retourner. Et pourquoi pas descendre en bas, pour profiter du calme, du silence de la nature. Car malgré son incroyable décor, c'est l'un des lieux que j'ai le moins apprécié du séjour à cause de la foule. Si on ne s'éloigne pas de Grand Canyon City, des sentiers bétonnés et des points d'observation, on se retrouve facilement coincé entre des dizaines de touristes. Ce qui n'est pas sans déplaire à quelques animaux qui se rapprochent des humains, sûrement dans l'espoir de grignoter quelque chose. Les visiteurs les plus téméraires s'aventurent sur le bord des falaises pour apprécier le spectacle. C'est tellement grandiose et profond que même moi, qui d'habitude n'ai pas le vertige, ressentais quelques tremblements dans les jambes. Et l'ami qui était avec moi, lui, n'osait même pas s'approcher du bord. Bref. Malgré les critiques que je peux apporter à cette vidéo, le Grand Canyon est un des lieux incontournables d'un circuit dans l'Ouest américain. J'espère vous avoir donné envie de vous y arrêter pour un futur voyage. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la saison 2 d'American Trip, qui arrivera, je l'espère, très vite.